Hello les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Drawinik in shape et je m'en bats les couilles si j'ai pas de muse. Salut tout le monde les amis, c'est Drawinik, j'espère que vous allez bien. J'avoue que la vanne d'avant est un peu trop longue hein, par rapport à la dernière vidéo sur Rocket League. Et aujourd'hui on se retrouve sur H1Z1 pour une petite vidéo tranquillou. Donc on va essayer de survivre pour ce jour de l'an. Donc j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, normalement cette vidéo sortira le soir du nouvel an. Donc c'est parti les amis, on met le casque et on est go. Donc les amis, nous voici sur le jeu. Alors, pour commencer, donc on est en Battle Royale. Donc si vous ne connaissez pas, le but de Battle Royale, c'est en gros, c'est du PVP sans zombies, avec que des hommes. Là, on est 120, donc ça va augmenter, je pense qu'on va être à peu près 150. Et en fait, on doit se tuer. On apparaît tous en parachute. Le but, c'est d'aller chercher, de se stuffer, d'aller chercher des armes, des munitions, de l'équipement pour son corps, enfin, pour pas perdre de la vie bêtement. Des casques et tout, et des véhicules, et le but, vous allez voir, c'est qu'on va avoir un secteur safe où on va devoir aller pour ne pas se faire tuer par le gaz toxique. Et donc en plus de ça, on a les autres ennemis qui sont aux alentours, et le but c'est de terminer le dernier en Battle Royale, donc c'est terminer le premier, enfin le dernier à survivre. Donc c'est vraiment chaud, je vais vite faire regarder si les settings sont bien, ok, on en ultra, tout est bon. La render setting on est à 3000 et je vais juste changer la sensibilité, je la trouve un peu trop élevée, on va la mettre là, voilà, ça va être un peu mieux. Donc on a vraiment une musique hyper triste, vous allez pas trop l'entendre au début, mais elle est vraiment très triste. Putain, mais pourquoi elle est si sensible la souris, je ne sais pas du tout. Et donc aussi les amis, est-ce que vous pouvez me dire si vous savez comment on fait pour garder ses contrôles, parce qu'à chaque fois je dois tout en mettre ZQSD et tout ça. Donc vous pouvez voir que en faisant T, vous allez voir, en faisant T, on peut changer de vue FPS à TPS, troisième personne. Donc c'est parti les gens, on est en parachute, donc vous voyez pas trop, mais s'il y a plein de monde qui arrive, on va essayer de prendre la petite maison là. On va voir s'il y a du stuff, j'espère que personne vient en même temps que moi. Donc là c'est vraiment, le début ça peut être décisif, c'est-à-dire que soit vous mourrez direct, soit vous avez du stuff ou pas du tout de stuff, et vous barrez dans les collines pour essayer de pas vous faire tuer. Donc ça va être chaud, j'espère qu'il n'y a personne qui vient, je pense que non. On va être les premiers sur cette maison, j'espère. Allez les gens, on gère. Donc ça va être vraiment une vidéo peut-être assez longue ou pas du tout en fait, ça dépend si je meurs direct ou pas. Putain, ok, on arrive. Il n'y a personne dans les environs. J'espère qu'il n'y a personne qui va arriver en parachute juste devant moi. Il y a la palissade là, il va falloir qu'on passe par-dessus. Donc au début j'aime bien jouer en vue à la troisième personne parce que c'est mieux. Ok, là-dedans il y a des munitions. Un petit flingue. Allez, on le prend, on l'équipe, on le recharge. Yes, un sac à dos, impeccable, indispensable pour pouvoir mettre tous ses équipements. Bon, des casquettes, on s'en bat les steaks, sérieusement. Ici, il y a quoi? Une hache, pas mal, ça, on commence à être pas mal stuff. Enfin, il n'y a pas non plus... Ah tiens, un casque, on va tout de suite l'équiper. Et c'est quoi ça? Il y a quoi là-dedans? Waste, ok, alors, on met le casque à la place de la casquette, c'est mieux pour se défendre. Ok, bon, ça, c'est pas trop mal. Déjà, on a trouvé un sac, c'est vraiment indispensable pour pouvoir garder ses trucs. Alors, je vais juste fermer les portes, voilà. Yes, un medkit, ça c'est cool. Des bottes, on va pouvoir les mettre aussi. Je sais pas si... Non, elles ont l'air d'être... Ça a l'air d'être les mêmes que celles que j'avais avant. C'est vraiment un jeu qui va jouer au son, vous allez voir. Parce que tout le monde peut arriver dans votre maison et tout. Enfin, votre maison. Dans les maisons que vous êtes en train de décortiquer pour trouver les stuff. Oh, encore un medkit, ça c'est cool. Un autre sac à dos, on va le prendre pour que personne ne le prenne. Des fois, c'est mieux de prendre les armes et tout pour que personne ne prenne à votre place. Putain, j'aimerais bien avoir une AR. Une AR, c'est une mitraillette si vous voulez. Bon, on va prendre juste les munitions, on va laisser le flingue. On va être gentil, là si on a des munitions. Ok, on va être large. J'ai quoi? Ok, on va prendre... Ouais, voilà. Le magnum, on va le recharger. Et vous voyez qu'à tout moment, je peux mettre en vue TPS comme ça. Donc c'est beaucoup plus simple pour viser. Alors, Fast Feed Game, coucou, est-ce que H1Z1 est bien? Alors, je vais te répondre juste après la vidéo parce que là, je suis en pleine vidéo. Du coup, tu vas te voir sûrement dans la vidéo. Alors, il n'y a personne par là. Donc j'ai mis render distance tout au max, je suis en ultra tout à fond. Donc vous allez voir que le jeu est magnifique parce que d'un point de vue, on peut voir vraiment de très loin si je vous montre les jumelles. J'espère que je ne vais pas mourir parce qu'il faut vraiment que je vous explique le but du jeu et tout. Mais vous avez compris, je pense, le but du jeu, je vous expliquais au départ. Donc, vous voyez qu'on peut voir de très très loin. Alors, hop, je vais me remettre en TPS comme ça, je préfère. Donc on n'a pas eu d'AR, on va voir dans le garage. On n'a pas été dans le garage, on va voir s'il y a une voiture, ça serait cool. Mais je pense qu'on ne peut pas l'ouvrir de toute façon. Ok, on peut pas aller au garage. On ne peut pas aller au garage, ok. La caméra filme toujours.
Putain, la maison elle craque, ça fait flipper. Ah, c'est dommage qu'on n'a pas de voiture. Parce que la voiture va être indispensable. On voit la carte ici, on n'a toujours pas le secteur safe dans lequel va falloir aller. Et qui va se rétrécir au bout du temps que vous allez survivre. Alors, j'espère que je suis clair dans mes explications, mais vous allez voir que ça va être vraiment énorme. Si on arrive à être premier, les gens, mais je me déshabille en vidéo. Vraiment, je me déshabille en vidéo. Hein. Si j'arrive à être premier, ça serait super cool. À la fin de la vidéo, les amis, restez. Ou même, vous pouvez mettre directement si ça vous intéresse pas le jeu. Je ferai des remerciements de la part de moi et Dr. L. Allez, on est chaud. On va aller à ce petit point de vue-là. Je regarde si personne me suit. J'aimerais bien enlever mes chaussures, parce qu'en enlevant ces chaussures... On se fait moins repérer. Mais on court un peu moins vite, je crois, mais on se fait moins repérer, donc c'est mieux. Parce que les converses, c'est le top. Les converses, c'est le top pour ne pas être discret, pour être discret plutôt, et ne pas et courir vite. Alors, on va voir s'il y a quelque chose par là. Je ne crois pas, normalement, il y a que dalle. Alors, on va quand même voir. Il n'y a pas une entrée par là c'est totalement... Ah, on peut quand même passer là, non? Oh putain, la musique, mais elle est tellement flippante, c'est un truc de fou. C'est quoi ça? Ok, un fusil à pompe. On n'avait pas un fusil à pompe? Je croyais avoir ramassé un fusil à pompe, les gens. Ah non, je me suis trompé. Ok, bon. Bah, faudra le récupérer, on va essayer. J'espère que personne va arriver en bagnole. Allez, hop. On récupère le fusil à pompe, avec les balles. Donc ça va être vraiment bien pour le corps à corps, hein, c'est normal. Voilà, on prend des balles. Y a rien d'autre par là, on va vite fait fouiller les gens parce que c'est vraiment important. Ok, il y avait un petit camp, il y a une grenade là, une grenade. Bon, j'ai jamais essayé la grenade, alors attends, il faut que je la récupère. Voilà, j'ai jamais essayé la grenade, donc je sais pas du tout comment l'utiliser ni rien. Là, il y a rien, il y a une axe là, mais on n'a pas besoin trop. Ça va être vraiment pour le corps à corps si on n'a plus rien. On a déjà à peu près tout, et je regarde là. Ouais, non, il y a rien. Go. J'espère que le serveur va pas crash, parce que comme c'est une version alpha, ça fait déjà un an que le jeu est sorti, mais il peut y avoir des bugs. Putain, l'entrée était là, je suis vraiment con. Ok, donc on garde le magnum, parce que c'est ce qui est le plus précis par rapport à un fusil à pompe de loin. Mais s'il y a un gars qui arrive vers nous, alors déjà, il faudrait que je mette le fusil à pompe à la place de la hache. Voilà. On va le recharger comme ça, et on continue à avancer. Ok, il reste combien? 59 gens, vous voyez que 59 personnes, vous voyez que ça part très très vite. Hein. Là, pour commencer, c'est parti vraiment vite. Alors je vais faire attention parce que dans ce petit village, vous entendez, ça tire. De loin, de très loin, ça tire. Donc la map est juste gigantesque. Hein. Je sais pas combien de temps faut pour la traverser à pied, mais c'est vraiment très très grand. Yes, on a des bagnoles. Alors on va faire attention parce que peut rencontrer des gens là. J'aimerais bien prendre une voiture. Ok, celle-là ne peut pas être prise. Ah, donc les voitures, il faut qu'il y ait la batterie et tout dedans pour pouvoir la démarrer, logique. Ce qu'on va faire, on va vite fait fouiller là. Donc hop. Là, il n'y a rien. Ah, un cocktail molotov, ça peut toujours être utile. J'aimerais trop avoir une AR. Il me faut vraiment une AR, les amis, sinon ça va être chaud. Bon, le petit sac, on le prend. On va aller là. Ok. 2 secondes. Les amis, on va regarder s'il y a la map. M. C'est toujours dangereux de faire ça. Alors, on est en G9. G ici, 9 ici. Ok, donc on n'est pas loin de la zone safe, ça se trouve, on est même dedans. Donc, il va falloir qu'on se repère avant, parce que dès que vous allez entendre la sonnerie... Le gaz toxique va être lancé. Oula, c'est quoi ça? Ok, un flingue, on s'en bat les couilles. On a déjà des flingues. Allez, j'espère trouver une AR là. J'ai l'impression que ça n'a pas été fouillé par là. Personne n'est venu là. Il reste 51 personnes, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que je vois, il y a mon petit bouton de record qui se met. Ok, la caméra marche toujours impeccable. Pour l'instant, la vidéo se passe très bien. Ah, il me faudrait absolument une AR. Putain, j'espère ne pas passer devant une AR comme un con. Hein. Ça serait vraiment con. Alors, il n'y a rien là. Non, il n'y a rien. Rien du tout. Ok, il n'y a pas d'air. Il y a juste une machette. Bon, j'en ai pas besoin. Hein, vraiment, je compte pas faire du sucre à part. Juste pour vous dire, les amis, j'ai jamais fait de kill encore sur ce jeu. Pour vous dire à quel point c'est dur. Bon, je suis pas très bon non plus, mais c'est quand même très chaud. Ok, là, on a des bagnoles. Une AR, ça serait tellement bien une AR, putain. Un fusil à pompe pour apprendre juste les munitions. Ah, j'aimerais tellement avoir une AR, les gens. Quand je vais en avoir une, je vais kiffer parce que... Donc c'est une mitraillette. Yes, lave là. Putain, you have no space. Alors, on va pouvoir lancer ça, ça, et un des sacs. Voilà. Donc, on prend l'air, les gens. Merde! Oh, quel con, j'ai tiré! Comment se faire repérer? Putain, il me faut absolument que je mette l'air. L'air, on va le mettre là. Il faut que je la mette à la place de ça, par exemple. Non, l'air! Putain, à tout moment, je peux me faire repérer. On va fermer ça, voilà.
À tout moment, les gens. Là, j'ai fait une grosse connerie sans faire exprès. Ça m'arrive souvent, ça. Je tire sans faire exprès. Donc, on va. Prendre l'arme de. Voilà. Ok. Il y a des mines. Bon, on a toujours pas de bagnole. Donc, on va essayer de se diriger vers là. Non, je suis mort. Oh, le seum. Putain, combien j'ai envie de points. Il m'avait entendu tirer. Oh, 74% il était. Ah, le seum, les gens. Bon, ce qu'on va faire, c'est que. Je sais pas ce qu'on va faire, parce que ça fait 10 minutes que je tourne là. Ça fait pas longtemps. Donc, je vais relancer une game, les gens. Je vais relancer une game. Ok, les gens, j'ai relancé une game. Du coup, on va en faire deux, hein, parce que vu que je suis mort comme une merde. Oh, on va aller sur la colline, j'ai jamais été. Putain, il y a l'air d'avoir du monde. Ouais, donc je suis deck parce que c'était la première fois. Non, là, vraiment, je crois que j'avais pas trop mal joué. Alors, j'étais bien stuff. Putain, il y a quelqu'un sur la colline. Et on va être dans la merde. On va être vraiment dans la merde. Je sens qu'on va. Il va y avoir gros fight direct. Putain, eh non, les gens, faut pas qu'on aille à la colline. Faut qu'on aille autre part. On va essayer d'aller quelque part d'autre. Tiens, on va le suivre, lui. Putain, ils sont. T'as le monde qui s'est barré. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud, je sens. Ok, allez, go. Voilà. Donc, excusez-moi les gens d'être mort tout à l'heure. Vraiment, je suis deg, mais bon, j'ai jamais gagné un fight. Hein, c'est vraiment chaud. Je l'avais pas entendu, je l'ai vu sauter. J'ai pris je sais pas combien de temps avant de me dire putain, c'est un gars. Mais je suis un peu deg parce que j'étais bien stuff quand même. Alors, où est-ce qu'ils sont partis? C'est cool. Vous avez vu, il y a des gars qui étaient près de moi. Mais bon, quand on a l'impression qu'ils sont très près, mais en fait, la map est tellement grande qu'ils sont loin. Donc, j'espère. Au moins tuer un gars ou alors essayer de survivre un peu mieux. J'étais à 50 gars donc c'était pas non plus. C'était pas trop mal, hein, c'était pas dégueu. Là on était 160, on est plus que 127. Ça part très très vite hein, au début et après ça prend du temps. Alors, cette fois-ci on va essayer de gérer. Bon, par contre, ce qui est dommage c'est qu'on a vraiment pas de maison. Du coup là je vais vous faire peut-être un accéléré hein, parce que sinon ça va être très long pour vous. Donc les gens, ce qu'on va faire, c'est comme je suis en D7, je vous montre vite fait. Oh yes, il y a des maisons, j'ai l'impression. Je suis en D7, vous voyez, là, ici. Et donc on va essayer d'aller en D6 où il y a la ville, comme ça, on va faire un peu de fight. Donc ici, c'est quoi? Il y a un truc aussi à gauche, hein, j'ai vu, vous inquiétez pas. Ça a l'air d'être une petite cabane, on va aller là ensuite. On va monter là, on va voir s'il y a quelque chose. J'espère ne pas mourir vraiment, les gens. Ok, on est à 92 personnes. Vous avez vu, c'est descendu vachement vite. J'ai fait un petit accéléré parce que j'étais en train de me repérer un peu. Alors, ok, il y a une antenne relais, là. Et là, il y a vachement de brouillard, donc ça, c'est vraiment chiant, parce qu'on ne voit vraiment pas loin. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien du tout. Oh, le seum, il n'y a même pas un petit flingue, ni rien. Ah, dommage. Ok, là, il y a des bagnoles. On va aller dans le camping-car. Dans les camping-cars, il y a souvent des trucs. Alors, hop. J'espère qu'il n'y a personne. J'ai lancé mes chaussures, hein, pour pas me faire repérer. Ok, il n'y a personne. Oh putain, j'ai peur. Il n'y a personne par là. Ah, on a un arc et des flèches. Bon, c'est déjà pas mal. J'ai jamais trop joué à l'arc. Donc, je sais pas, mais bon, c'est mieux d'avoir un flingue, hein, toujours. Voilà, vous voyez, on peut. On peut viser comme ça. Ah, j'ai pas de flèches. J'ai pas ramassé les flèches. Ah merde. J'ai cru ramasser les flèches. Zéro flèche. Bah pourtant je les ai ramassés. Oh, il y a dû avoir un bug. Bon, tant pis. Ok, j'ai un petit cocktail molotov au cas où. Allez, on va aller par là. Je pense que c'est trop dangereux d'aller où j'étais tout à l'heure. On va retourner là. Oula, il y a un poteau qui est tombé. Là. Oh putain, il y a quelqu'un derrière moi. Je vais me faire tuer. C'est bon, j'ai mis un truc. Oh non, je suis mort. Ah, le seum, putain, encore mort, non, vous avez vu. Allez, je relance une dernière game, les amis. Nous voilà repartis, les gens, pour une dernière, troisième et dernière game. Ok, on va aller directement là. Donc, je suis vraiment mort, un peu comme une merde, mais bon, j'ai remarqué, quand j'ai vu le replay, que je lui avais enlevé des PV. Attendez, est-ce qu'on va au gros truc? Est-ce qu'il y aura du monde? Pour l'instant, il n'y a personne, allez, on va aller là. Moi, je préfère aller là, parce que sinon, on aurait pu aller au petit conteneur là, ou à la petite maison là. Ouais, il y a quelqu'un qui y va là. Ouais, non, on va aller à la petite maison, ça pue ça. La petite maison dans la prairie, les gens. Go. C'est parti. C'est quoi ça? C'est un bug ou quoi?
Ok, on fonce, on fonce. J'ai l'impression que j'ai entendu des gens pas très loin. Ok, un casque. You have no space, c'est bon, là j'ai des space. Allez, on équipe tout de suite le petit casque. Hop, une grenade. Ok, c'est cool. Là, je sais pas ce que c'est. Ça, on récupère, c'est du tissu, je crois. Je sais pas ce que c'est. Wood sticks. De toute façon, on peut pas craft, je crois. Ça sert à rien. Là, dans le bungalow. Allez. Putain, il me faut. Ouais, allez, on va prendre ça. 3, voilà. Hit, on prend ça. Encore une petite grenade. Un slip, on n'en a pas besoin. On est déjà équipé. Cling! Et c'est tout ce qu'il y a. On peut pas démarrer. On peut pas le démarrer. Ah putain, ça fait chier, il y a presque rien. Il n'y a pas de flingue surtout, c'est ça qui m'embête. Ça m'embête, les amis. Je regarde là. Non, il n'y a vraiment rien. Ok, faut y aller. Je regarde si on peut pas démarrer là. Non, ça peut pas. Ok. Alors du coup, on va espérer que le mec s'est barré là-bas. Et on va prendre ça. On va y aller vraiment à la one again. Donc là, ça descend vite, les gars. Oula! Non! Ne crache pas. Crash du jeu. Ok, il y a eu un bug. Un gros ralentissement. C'est pas grave, c'est un bug du serveur, je pense. J'espère que ça vient pas de moi. Je pense pas. Hein. Allez, je suis chaud, les gars. J'espère au moins faire un kill. Putain, il y a du monde. Il n'y a personne par là. Je regarde vite fait si je pourrais pas trouver une maison. On va essayer d'aller là-bas. On va essayer d'aller où on voulait aller tout à l'heure. On va aller par là. On n'a toujours pas. On est en D3. D3, on est là. Ok. Et on va vers le nord. Faudra mieux aller vers là, moi je dirais. Mais bon, on va essayer de voir si on peut pas trouver quelque chose en attendant. Voilà, on va essayer. Oula, c'est quoi là? Ah, j'ai cru qu'il y avait une géante maison, mais pas du tout, c'est la police. Donc y'a rien là? Je croyais qu'il y avait un grand bâtiment tout à l'heure. Avec les arbres et tout, on spawn. Ah bah voilà, il est là le bâtiment. Ok, on va aller là. J'espère que je pense qu'il va y avoir du monde, hein. C'est sûr même. Ça va tirer par là, je sais. Est-ce qu'avec la hache, on peut récupérer ces petits trucs là? Non. Bon. C'est pas grave. Allez, on continue. On a une petite grenade au cas où. On peut toujours l'utiliser. On a là aussi, allez voir, il n'y a personne. Est-ce qu'il y a du monde par là? Il va sûrement y avoir des gaz stuff par ici. Ok, c'est le supermarché. Oh putain, je sens, ça sent la merde. On va essayer de rentrer par derrière là. Je vais prendre la grenade parce que c'est quand même plus. Oh putain, il y a eu une explosion. Allez, cours. Putain, il court pas vite là. Je vais enlever. C'est moi ou quoi qui me fait tirer dessus? Putain, ça a tiré dans mon secteur. Ça tire de près de chez moi. J'espère que c'est pas moi. Ok, il y a des grenades. Un flingue. C'est bon. Il me le faut. Il faut que j'équipe, il faut que j'équipe. Putain, j'entends quelqu'un, j'entends quelqu'un. Allez, équipe le flingue. Putain, mais. Hop, voilà. Putain, je sens que ça arrive. Je sens qu'il y a des gens qui arrivent. Ok, il n'y a rien. On va devoir faire le tour. J'ai même pas été voir là. Putain, je stresse. Je sens que les gens vont arriver. Ok, il n'y a rien là. On va faire le tour par là. Vous voyez qu'on est beaucoup plus discret quand on est en pied nu. Il n'y a personne. Allez, on va se mettre comme ça, j'espère. Ok, il n'y a personne. Putain, c'est chaud quand même. Putain, il me faut absolument. Il n'y a personne là-dedans. C'est géant, il n'y a personne. Bon, il faut absolument qu'on trouve des trucs là. Yes, une aire. Une aire. Une aire. You have no space, putain, mais j'ai un sac pourtant. On va lancer ça. Et puis ça. Voilà. Ah, c'est bon, là, je la récupère la tête. Putain, le bruit, le son de merde. On va enlever celle-là. Et on va prendre l'air. Yes. Ok, j'ai pas de munitions par contre. J'ai pas de munitions. J'ai une grenade là.
Là, j'ai rien, j'ai rien. Ok, ça record toujours, j'ai eu peur. J'ai des munitions ici. C'est des munitions de petit flingue. Bon, j'espère que personne va arriver. Ah, ça me saoule de pas avoir trouvé des munitions d'air. Ok, ici c'est quoi? Putain, et là j'ai large vraiment. Pour me faire du stuff, j'ai large. Faudrait que je trouve des trucs, mais. Yes, encore un bag. Un sac. Enfin, un sac un peu mieux. On va monter en haut. On va voir ce qu'il y a. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Pas des mines. Des mines. Des mines, c'est tout. On va aller dans les bureaux. Eh, vraiment, je vais chercher partout parce que là, je pense que je peux me faire plein de stuff. Par contre, j'ai peur qu'il y ait des gens qui arrivent. Là, on peut avoir une belle vue sur s'il y a quelqu'un qui arrive. Ok, il n'y a personne. Il n'y a personne pour le moment. Ok, on va monter là. Je sais pas ce que ça peut nous donner. Il n'y a personne. Ouais, on va essayer de redescendre et pour voir si on peut pas... Ok, on pourrait monter tout en haut si on veut. Il y a une échelle. Ok. Ok, ok. On va voir ce qu'il y a tout en haut. On va monter vite fait. Ça se trouve, on va pouvoir voir quelque chose. Comment on fait pour utiliser l'échelle? Ah, on peut peut-être pas. Ah, c'est fermé, putain, le seum. Le seum, le seum. Allez, go, 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 go. Contrôle. Voilà. Putain, petit bug, excusez-moi. Ok, bon, il n'y a rien là, on a vu. Dans les toilettes. Dans les toilettes, il n'y a rien là. Rien là et rien là. Ok, il n'y a rien dans les toilettes. On va refermer. Putain, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Là, il n'y a rien, il n'y a pas une mission d'air. C'est là que j'ai trouvé mon air, mais... Bon, je fais attention parce que... Ok, on a un arc, on s'en fout. On n'en a pas besoin. Je regarde vraiment partout, c'est assez chaud de voir. Hein. Ok, ça recorde toujours. Ah, des munitions. Putain, c'est des munitions de petit flingue. On a un casque, encore des munitions de petit flingue. On va en prendre en cas où. C'est pas le bon flingue, mais c''est pas grave. Ok, ça arrive pas pour l'instant. Pour l'instant, on est bien niveau personne. Il y a personne qui vient. Bon, hop, là, y a rien. Putain, on a pas de chance, hein, on tombe pas sur du bon stuff. À part un arc de merde, là, y a rien. Putain, on est bloqué en plus. Ok. Bon, y a rien là, les amis. Hop. Y a rien du tout. Bon, les gars, on va ressortir. Tant pis, on a une AR, il faudrait juste des munitions, ça serait génial. On va voir si on peut démarrer une bagnole, mais je crois qu'ici, on peut jamais en démarrer. Ah, on va aller là, dans le petit truc, c'est un peu. Ok, on peut pas la démarrer. On va aller là. Faut que je regarde, j'ai même pas regardé le secteur. C'est où? C'est D. On est en quoi? En D3. Oh, faut absolument que je fonce. Faut que je trouve une voiture, sinon je suis dans la merde. Putain, j'ai pas envie de mourir en mode grosse merde. Ah, j'aurais le seum. Parce que c'est bien de s'équiper, mais bon, quand on n'a pas de voiture, on est... Putain, ça craque de partout. Alors, là, j'ai l'impression que ça a été fouillé. Ouais, il n'y a rien du tout, ça a été fouillé. Ok. Ok, ok. Bon, il n'y a pas de voiture là. Est-ce que si on prend de l'essence? On peut pas prendre de l'essence dans un bidon et tout. Ah, le sel. Bon, bah, je crois qu'on peut pas prendre de voiture ici. Non, on peut pas. On va repartir. Hein. Et je pense qu'on va mourir parce que le gaz est beaucoup trop. Faudrait trouver une voiture. Le gaz va arriver trop vite. Et on va crever. Safe zone, ouais. Voilà, le toxique gaz est relâché dans 30 secondes. En gros, on est vachement dans la merde. Parce que c'est-à-dire que, en gros, le gaz va arriver vers nous et on va mourir dans le gaz, c'est presque sûr. On peut pas rentrer dans cette voiture, dans celle-là non plus. On a la musique qui commence à devenir stressante. On n'a aucune bagnole par là. Va falloir courir, mais courir pendant des... je sais pas combien de temps. Au sud. Donc c'est par là. Vous allez voir le gaz qui va être relâché. Bon, on le voit pas pour l'instant, tant mieux, mais ça arrive très très vite. Donc on est gros, en gros on est presque sûr de mourir. Donc ça va être vraiment chiant. C'est dommage hein, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. Faut savoir bien ce stuff et en même temps. Bien partir. Ok, on peut rien prendre là. Ah, des munitions là, c'est quoi? C'est pas des munitions de... d'air. Yes, c'est des munitions d'air. Non? Je sais pas. Non, c'est pas des munitions d'air. Putain, ok, on repart. Le gaz arrive toujours pas.
Et on a de la chance pour l'instant, mais bon. Ça va arriver. En gros, on va faire que courir et à un moment, il va arriver vers nous. Il faut qu'on aille en D4. Putain, il faudrait tellement avoir. Si on avait une voiture, ça serait tellement bon. On va être près des routes, hein. C'est pas le mieux parce qu'il y a... y a des gens qui peuvent nous voir. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Je sais que c'est foutu, ça m'énerve, ça me, c'est frustrant. Et je vais pas relancer de game, les amis, ça va être la dernière. Regardez, ça arrive. Bah, on a peut-être une chance vraiment parce qu'on a des bandages, mais ça va pas être simple, ça va pas être simple du tout, du tout. Là, il y a des voitures, mais elles vont être toutes mortes, je pense. Alors, je me permets de regarder mon portable, je pense. Ok. Putain, j'espère qu'elle marche, cette voiture. Si elle marche, les gars, on est sauvés. Hein. Et on peut même. Là, on est plus 42. On est sauvé. Si la voiture marche, on est sauvé. Une des voitures. Ok, celle-là, pas la peine. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Putain, mais pourquoi aucune bagnole ne marche? Ça, c'est chiant, c'est frustrant. Purée. Il n'y a que les petites Jeeps. C'est bon, j'ai vu une bagnole là-bas. Il y a une voiture là-bas. Est-ce que je lui tire dessus? Je sais pas. J'ai envie de lui tirer dessus, comme je sais que c'est foutu et elle se barre. Ok. Est-ce qu'on lui tire dessus? Ouais, c'est barré de toute façon. On peut plus rien faire. On va foncer, hein. C'est le seul truc qui nous reste à faire. On va peut-être trouver une voiture, hein, si on a vraiment de la chance. Regardez comme ça se déplace vite, je vous le montre. Voilà. On est en D3, les amis. Donc regardez comme ça arrive vite. D4, ça va, on est en D4. Mais là, ça va vraiment être chaud. Faut que je cours, faut que je cesse pas de courir. J'espère que la caméra va pas s'arrêter parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Allez. On va regarder un peu les environs. Si on voit pas. Une voiture. Est-ce qu'on voit le gaz? Non, on le voit pas encore, tant mieux. Mais dès qu'on va le voir derrière nous, ça sera foutu, hein, les gens. Ça sera presque mieux. Et avec une voiture, hein, vraiment, vous pouvez gérer. Mais même si vous êtes par exemple en D1 et que vous avez une voiture, vous crevez, hein, presque obligatoirement. Et contre le gaz toxique, le seul truc qui marche, c'est des bandages. Aïe, je me suis fait mal. Petit coup du juif. Coup du petit juif. Ok, il y a un truc là-bas. Et j'ai même pas envie de chercher du stuff parce que je sais qu'il faut que je continue, quoi. Il n'y a personne derrière moi. Oh, il y a le gars, je crois, qui arrive, putain. Non, tu te retournes pas, faut pas que je me retourne. Allez. Non, ça, je vais jamais pouvoir le conduire. On va essayer quand même. Et on va voir juste s'il y a quelque chose. Si on a le temps, on peut toujours trouver des munitions, on sait jamais. Mais le mec, c'est. Ouais, le mec s'est arrêté, c'est déjà été fouillé. Donc je regarde vite fait, vraiment vite fait. Ouais, il n'y a rien. Il y a juste un petit flingue. Il n'y a rien du tout. On peut pas conduire, on peut pas conduire. Ah, ça m'énerve. Faudrait trouver une voiture de flics, non? Ouh là-bas, il y a une petite calèche. Si on aurait, eh, on aurait vraiment pu gérer si on avait une voiture. On aurait été dans chaque petit truc. Donc là, ça a pas marché, bien sûr. Les roues sont crevées de toute façon, donc c'est mort. Regardez, le gaz arrive. Vous l'avez vu? Je pense que vous l'avez vu. C'est le truc bien vert là. Donc on est presque mort. Hein. On est en D4. La safe zone, c'est en, je sais pas en quelle zone. On va regarder vite fait. C'est en D5. Il faut qu'on soit en D5. Faut qu'on se dépêche. En D5. Vite, 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 vite. Ah, je stresse. D5, allez. Si seulement il y aurait ce petit symbole D5, c'est bon. Allez, c'est toujours possible. C'est toujours possible, les gars. En vrai, je pense qu'on peut le faire. Putain, il y a une voiture de flic, là. Vous avez vu qu'il y a une voiture. On ne les entend pas trop, les moteurs. Donc, elle monte la colline, ok. Il y a une voiture de flic. Donc, c'est-à-dire... Il tarde pas quoi. Le gaz est derrière nous, hein. Il est pas loin du tout. On n'a pas le temps d'aller dans les magasins et tout ça. Donc on va continuer. On est en D5. Ok, donc je pense qu'on est bientôt dans la safe zone. On est au petit truc là. Ouais, on y est presque. Allez, faut continuer. On continue quand même pour être sûr. On va aller là-bas là. Comme vous voyez, les bâtiments, on va aller là-bas. Ok, avant que le gaz arrive. Comme ça, on va être sûr et on ira fouiller après. Parce qu'on est en D5, mais le gaz il est un peu plus qu'en D5, je crois. Attendez, il est en. Ouais, un peu plus. C'est bon. Le gaz est juste là. Ça va s'arrêter. Ok, ça se tue. Putain, on est dans les 29 derniers, les gens. En vrai, on gère. Putain, mais le gaz arrive. Vas-y, faut que je cours, faut que je cours. Faut que j'aille dans les maisons. Là. Allez, on va aller par là. Ah, il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. Il y a des petits ralentissements. Ça donne de la peau. Ok, plus de 22 personnes. Et en vrai, les gens, on gère. Je pensais pas, mais on gère. Allez. Chaud, chaud. Je pense que la vidéo va durer au moins 30 minutes pour vous. Allez, bon, on va essayer de voir s'il n'y a pas des bagnoles qui marchent. Putain, ils marchent pas. Allez, on va aller dans les chiottes là. Il n'y a rien, putain, il nous faut des munitions derrière. Si on veut survivre, il nous faut un minimum ça. Allez,
Ok, il n'y a rien. Putain, il n'y a rien par là. Ça a déjà été fouillé. On va repartir là. Le gaz est par là. Donc on aura bientôt une nouvelle indication. Oh, il y a la voiture de police là. Est-ce qu'il y a un mec dedans? Il y a un quad aussi. Oh, impeccable. Ok, donc c'est-à-dire que les gens ont laissé leur voiture là. Ok, il n'y a personne dans la voiture. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un par là. Il doit être dans le bâtiment. Ça doit sniper en haut. Ça va sniper. On est 20 personnes. Les gens, je sais pas du tout où aller. Moi, je dirais soit on va dans un bâtiment, on essaye. Parce que dans le magasin, ça va être trop chaud. Je pense qu'il va y avoir trop de monde. On va essayer là. Ouais, on va essayer en montant. Allez, 20 personnes. On essaye. On essaye de gérer. On va monter tout doucement. Je regarde parce que tout le monde peut être caché n'importe où. Ok, il y a eu un mort là. Il a quoi? Il a quoi? Il a rien sur lui. Ok. Putain, tout le monde envoie des invites, les gars, mais c'est pas le moment. C'est pas du tout le moment. Donc plus moins il y a de monde, en plus c'est stressant, logique. Ok, on remonte. Putain, j'ai juste un petit flingue. Ah, ça me saoule, il me faudrait tellement une mitraillette. C'est quoi ça? Ok, encore des munitions flingues. Ah, une AK. Sans munitions, bien sûr. Putain, on entend les flics. Non, attendez, je regarde si l'AK, j'ai des munitions ou pas. Non, j'ai pas de munitions. Donc ça me sert à rien. Donc, tant que j'ai pas de munitions, mes armes ne servent à rien. Ok, là on a juste un flingue. Il faut remonter. Allez. Pas avoir peur, je sens qu'il va y avoir quelqu'un qui veut m'attendre à l'étage. Bon, le gaz est encore lancé. Il faut qu'on regarde où on est. On est en D5. Ok, bon, on est bon pour l'instant. Et il va falloir bouger. Il va falloir vraiment bouger après. Une fois qu'on va être stuff, il va falloir bouger. Putain, on a rien, il y a rien, il y a rien. Putain, il me faut des munitions, il me faut des munitions, les gars. Attends, je suis paumé. Voilà, faut monter là. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on regarde là? Il y a un magnum, une AR. Un magnum, on va le prendre, c'est toujours mieux. Allez, on va enlever notre petit flingue là. Non, non! Putain, je suis mort! Comme une merde, il était où? Oh le seum! Putain, il était où? Il était à 97%. Ça va, j'ai été 16ème, les amis. J'ai quand même bien réussi à survivre. J'ai tué personne, mais j'ai géré. Alors, j'espère que cette petite vidéo vraiment vous a plu. J'enlève mon casque. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Passez vraiment de bonnes fêtes. Et un énorme merci à vous pour cette énorme année 2015 que vous nous avez fait passer. On a gagné plus de 1000 abonnés pendant cette année, 1100. Donc c'est vraiment cool, c'est super sympa de votre part. Pour les bonnes résolutions, je pense que pour l'année 2016, on va essayer d'avoir les 2000, je sais pas, moi je dirais plus 5000, entre 5000 et 10000 abonnés. Ça serait vraiment cool. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, merci à vous, n'hésitez pas à mettre un like si ça a été le cas et à partager, passez de bonnes fêtes et à très bientôt, n'hésitez pas à nous suivre sur Snapchat, Facebook et Twitter, salut tout le monde et à bientôt les amis.